chaleur de ses baisers et d'inventer des mots. À quoi sert, dis-moi, les trains qui passent et qui mêlent nos désirs, puisque je perds ta trace. À quoi sert, dis-moi, les trains qui partent et qui mêlent nos destins, puisque c'est sans lendemain. Mais je dois descendre ici, juste un regard furtif, l'illusion qui l'a saisi, un instant complice, le cœur qui tape et la certitude qui m'envahit d'avoir perdu le seul homme qui comptait dans ma vie. À quoi sert, dis-moi, les trains qui passent et qui mènent nos désirs, puisque je perds ta trace. À quoi sert, dis-moi, les trains qui partent et qui mènent nos destins, puisque c'est sans lendemain. Alors ça, elle c'est qu'on on approche de la fin, elle va bientôt se fermer, cette plus grande discothèque du monde, comme disait Claude Sérillon. Nous, on disait de la France parce qu'on voulait pas être trop prétentieux. Oui. Alors, JP des Innocents, jeudi, c'est une des dernières fois qu'on l'entend. Hein. Je crois que c'est la dernière. La dernière. Zéro. Et la prochaine fois, on entendra quoi? Une nouvelle chanson. Ah ouais, donc zéro, zéro, zéro. Voilà, la quille. Donc une nouvelle question, une nouvelle chanson, effectivement, on en sait beaucoup plus sur les Innocents, on est vraiment content. Super. Mais voilà, c'est la dernière fois qu'on joue de jeudi, mais pour une fois, elle sert à quelque chose. Et est-ce que c'est la première fois que vous participez à un concert de charité, je dirais presque? Non, on a fait un ou deux trucs. Enfin, on a fait ce qu'on nous a proposé et quand on pense que ça peut... Enfin, il y a des moments quand tu fais de la musique comme ça, tu regardes, tu dis, c'est jamais que des foutus pop-songs de 3-4 minutes. Bon, peut-être qu'il y a des gens que ça touche, mais il y a des jours où tu as l'impression que tu sers à quelque chose. Alors justement, aujourd'hui, pendant que Jean-Luc, tu discutais avec JP, on a vu le chiffre. On en est, je crois, à 32 millions... J'ai pas eu le temps de voir les chiffres qu'il y avait derrière, mais enfin... 180 000, enfin, il y a plein de sous qui arrivent quand même, ça prouve que ça marche, ça, hein. Et c'est un peu grâce à vous, là, hein, quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'on est pas venu parler de nos pop-songs, on est venu parler de la myopathie, quand même, on est venu là pour ça. Alors, justement, Graziella, tout à l'heure, tu disais... Non, la vieille radoteuse, mais c'est ça. Non, non, mais c'est important, parce que tout à l'heure, tu disais que t'avais été infirmière, ça, on le sait, quand on t'a découvert avec le pull-over blanc, ça, on l'a lu dans tous les journaux, donc, toi, t'as été souvent confronté à ce genre de problème, t'as eu à soigner des enfants myopathes particulièrement, ou t'étais dans un autre service? Je sais pas comment ça marche à l'hôpital. Non, mais j'en ai connu, mais c'est pas bien le problème. Que t'en aies vu ou pas, il suffit de faire un peu d'imagination, d'imaginer que tout d'un coup ton corps n'a plus de muscles. Enfin voilà, puis savoir que tout fonctionne grâce avec les muscles, que la respiration ça fonctionne avec les muscles.
C'est tout, on n'a pas besoin d'avoir été infirmier, on peut être OS chez Berlier ou je sais pas quoi pour savoir que c'est une maladie grave qui touche des gosses tout petits qui grandissent avec cette maladie et que cette maladie peut aller très loin. Enfin bon, ça peut, bon. Et voilà, qu'il faut des sous parce que la recherche en France est dans la merde. Voilà. Ouais. Merci Graziella. Hein, alors, c'est précis. Voilà, cette plus grande discothèque de France, elle va se fermer dans quelques instants. On va finir par un final prestigieux. Juste après, ce que je tiens à signaler, c'est que les enfants du rock continuent avec un concert exceptionnel. Cette fois-ci, des affiches anglaises, américaines. Avec la scène, c'est les Princess Charles Trust. Ça veut dire que c'est le Trust, le conglomérat du Prince Charles. Presque, c'est un grand concert qui a été organisé sous l'égide du Prince Charles à Londres, à Wembley. Il y a une pléiade de vedettes, comme ils disent dans les journaux. On va pas toutes les citer parce que dès qu'on en oublie, on en vexe quelques-uns. Donc on peut dire qu'il y a une pléiade de stars et plein de surprises. Bon, bref, à partir de 4h, ce sera les enfants du rock, un spécial enfants du rock. Il n'y arrive plus. Il est un peu fatigué, c'est normal. Donc après. Ça veut, ceux qui jouent ce soir, que c'est pour la myopathie, l'émission. Ah oui, quand même. Lesquels? Attends, ceux qui jouent à Wembley? Ouais. Ah non, c'est un concert qui a eu lieu il y a quelques mois de ça. À Londres, donc à Wembley, je l'ai déjà dit. Le Prince Charles, je l'ai déjà dit. On va pas coucher là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que juste après, il y aura Roger Isabelle qui va partir en courant pour son. C'est un marathon, lui. Là, c'est Téléthon, c'est un télémarathon, mais lui, c'est un marathon tout court. Il va présenter Télématin en courant. Ensuite, Gérard Rolls et toutes ses performances. C'est le Téléthon. Ça continue jusqu'à 23h30 ce soir. En attendant, pour se dire au revoir, je vous propose. Une chanson d'espoir que vous disiez si joliment. Bah, c'est vrai. Beau, hein. Le thème du Téléthon, c'est Muscle au service du muscle. Chic Planète, dansons tous dessus. Enfin, j'espère que vous avez passé une excellente nuit avec nous. On vous souhaite une bonne fin de nuit. La fin du trio, ça va être à vous. Chic c'est Planète. Et dansons tous dessus. Ami terrien, ami terrienne, regardez la boue.